Vos tentatives de rallier le Parlement à la cause des Indes ont échoué. Il faut faire davantage. Je ne mettrai pas en péril mes relations avec la reine et la patrie pour votre petite croisade. Votre Altesse, votre place est aux Indes, et non ici à jouer le rôle du noble étranger. J'ai assez perdu de temps à prêter attention à ces sottises. Si votre mère vous voyait, le dernier Maharaja du Punjab se complaisant dans sa cage dorée. Quelle impertinence. C'est toujours très malin de citer la mère en plein milieu d'une dispute. S'il n'aide pas son peuple, il le regrettera toute sa vie. Que pouvons-nous faire? Irez-vous lui parler? Il refuse de m'écouter. Comptez sur nous. Votre Altesse, vous avez de la visite. J'imagine que Monsieur Green vous envoie. Parlez ainsi de votre mère et père. Impertinent et fort déplacé de sa part. Nous aimerions réparer cet affront. Alors faites-moi plaisir. Et prenez part à un concours de tir. Ces gens n'ont absolument aucune fantaisie. Et je m'ennuie à mourir. Un concours de tir. Signe, vous n'avez pas changé. Ellsworth ? Ma parole ! Quel plaisir de vous voir. Notre terre natale vous a bien traité. Jacob et Evie Fry, voici Brinley Ellsworth, un ami sorti du passé. Je vois que vous vous en êtes fait de nouveau. Que venez-vous faire dans cette partie de l'Empire ? Ah, de banales affaires, j'en ai peur. Mais je ne pouvais laisser passer cette occasion de vous revoir. Après tout ce temps, on raconte que vous organisez des réceptions sans pareil, mon cher ami. J'ai hâte de voir si votre réputation est justifiée. Thomas, mon serviteur, comptabilisera les points. Vous marquerez des points en touchant les bouteilles placées devant vous. Chacune d'elles vaut un point. Vous avez 30 secondes, que le meilleur gagne. Lancez le chronomètre. Allons, Thomas. Ce défi n'est pas à leur hauteur. Réduisons le temps accordé. La deuxième manche va commencer. Tâchez de faire aussi bien sur une durée de 20 secondes. Chronomètre prêt. Commencez. Vous méritez quelque éloge. C'est à vous, votre Altesse. Allons, voyons si vous êtes plus doué avec un fusil qu'avec une fronde. Permettez. Impressionnant. Je suis sincère. Faites honneur à votre réputation. Le diable ! Monsieur, je crois avoir entendu un autre tir. C'est vrai. Cela ressemblait à un second coup de feu. Étrange. Je vais aller voir ce qu'il en est. Ça n'en vaut sans doute pas la peine. Oublions ça. Oh.
Un autre tir? Je n'ai rien entendu. Il n'y avait personne d'autre. Et puis, qui irait faire feu au cours d'une fête? Croyez-en mon expérience, je sais faire la différence entre un et deux tirs. Il y a eu clairement deux coups de feu. Vous pensez que cela mérite de s'en inquiéter? Ce n'était probablement qu'un écho. Oublions cet incident. Vous pensez que cela mérite de s'en inquiéter? Ce n'était probablement qu'un écho. Oublions cet incident. De quoi me parlez-vous? Les armes sont interdites dans les jardins. J'ai bien vu l'homme devant moi tenir une arme. J'ai cru qu'il faisait partie du décor. Un autre invité excentrique de Son Altesse. Ce prince cause trop de problèmes. Il doit être réduit au silence. Tuez-les! Enfuyez-vous pour tes derniers instants! L'heure est venue! Et je t'ai destiné à nous attaquer avec mon surin! Le sceau des Templiers, que prépare-t-il cette fois? Vous êtes toujours là? Et cet autre tir? Ce n'était rien, Miss Fry. Et je dois regagner la réception. Oui, racontez-moi donc votre vie ici. Cela fait si longtemps. Bien sûr, mes excuses, Votre Altesse. Il faut que j'aille en parler à Emily. Vous avez du nouveau? Nous avons un souci. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir lui parler. Ne me dites pas que la Compagnie des Indes le harcèle à nouveau. Il ne peut pas se le permettre. C'est bien pire. Elle a des alliés. Et Monsieur Singh préfère ignorer le problème. Les Templiers? Un
impossible. Nous devons le convaincre d'agir vite, ou sa situation risque de se compliquer davantage. Retrouvez-moi à ma boutique. J'aurai peut-être des informations utiles.